Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu énormément de questions concernant mon Erasmus, si je partais ou pas. Et je vous avoue, à chaque fois j'évitais la question parce que tout simplement, je ne savais pas. Donc dans cette vidéo, on va répondre à la fameuse question, est-ce que je pars en Erasmus finalement ou pas? Je vais faire un petit retour en arrière. Début octobre, j'ai reçu un mail en me disant que j'ai été acceptée à Athènes pour partir au semestre 6. Donc ce semestre-là, j'étais vraiment trop contente, sous le choc et tout, j'étais ravie. J'ai appelé ma famille pour leur annoncer, ils étaient super contents, et puis bah, j'ai commencé à entamer les démarches. J'ai envoyé tous les documents que la fac me demandait, il fallait la carte européenne d'assurance maladie, il fallait ce genre de choses. J'ai fait aussi ma demande de bourse qui a été acceptée, donc vraiment j'ai entamé toutes les démarches administratives pour la réalisation de ce projet. Bref, tout était bon, sauf qu'en fait j'avais pas de nouvelles d'Athènes. J'étais un peu dans le flou, j'attendais, je sais pas, un retour de quelqu'un parce qu'il n'y avait aucune nouvelle. Donc bah, j'ai envoyé des mails plusieurs fois à ma fac pour leur dire « Hey, je n'ai pas reçu de nouvelles, est-ce que c'est normal ?» Patati, patata, j'ai vraiment envoyé beaucoup de mails, mais toujours sans réponse. J'ai alors relancé au mois de novembre pour avoir aussi des nouvelles et toujours pas de réponse. Je n'ai eu jamais de réponse et je regardais si je m'étais trompée d'adresse mail ou pas, mais pas du tout, c'était vraiment l'adresse mail de l'Erasmus, de l'administration de l'Erasmus, donc je me suis dit, bah, je sais pas, peut-être ils sont submergés, etc., ils me répondront plus tard, mais ça faisait quand même un mois que j'étais sans nouvelles. Mais pourtant, je continue de recevoir les mails de l'Erasmus en disant, voilà, il y a tel délai pour envoyer tel dossier pour la bourse, pour machin, enfin voilà, je me dis, bon bah, c'est dans sa continuité en fait. Et c'est bizarre parce qu'on me répondait concernant le fait qu'ils avaient bien reçu mes documents, notamment mes certificats de langue, etc. Elle me disait oui, c'est bon, j'ai bien reçu, mais pourtant, les mails où je disais est-ce que vous avez des nouvelles d'Athènes, je n'avais aucune réponse. Donc j'étais vraiment dans le flou. Donc pendant ça, il y a la période de Noël, etc. Donc je me suis dit, bon, bah je vais commencer à regarder pour les logements, les billets d'avion, parce que ce genre de choses, ça se fait pas à la dernière minute, quoi. Enfin voilà, ça, les prix augmentent de plus en plus. Plus on s'y prend tard, plus les prix des logements augmentent. Donc il fallait que je prenne un logement assez rapidement, parce que je voyais déjà les prix, ça flambait, c'était autour de 1000 euros le loyer par mois sur Airbnb. Donc vraiment, j'étais un peu en panique. Je me dis, bon, on va tout prendre maintenant, comme ça c'est fait. De toute façon, mon dossier a été accusé réception, tout est bon, enfin voilà, donc normalement je pars. Et mon père, il continue à me demander, mais t'es sûr, Elsa, t'es sûr. Il m'a mis le doute, en fait. Il m'a dit, contacte encore ta fac. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Donc j'ai recontacté ma fac et le 16 janvier, un mois avant le départ, la fac me répond et me dit, mais vous avez toujours pas eu des nouvelles d'Athènes? Non! C'est ce que je te répète depuis le mois de novembre! Et du coup, elle s'est étonnée qu'ils aient pas pris contact avec moi. Et moi, comme j'aime bien faire les choses moi-même, parce que passer par des intermédiaires, ça m'énerve, parce qu'ils sont pas capables de faire correctement leur travail, généralement. Donc j'ai pris les devants et j'ai envoyé moi-même mon dossier à Athènes. Je les ai contactés, je fais bonjour, bah voici mes dossiers, voici mes papiers pour l'inscription, parce que je me doutais bien que la fac n'avait pas transmis ces papiers-là à la fac d'Athènes. Donc je me suis dit, vas-y, je prends les devants, et ça se trouve, ils sont toujours en attente de mes papiers, donc je sais pas, voilà, je leur envoie. Et là, j'ai reçu ce mail qui a été vraiment un énorme stress. Ils m'ont dit ça en disant que, bah voilà, que comme ils avaient vu avec ma fac, j'étais pas acceptée chez eux, encore. Le encore est très important, et qu'il fallait que j'arrête de leur envoyer des mails, etc, etc. Donc j'étais en mode super, je suis ravie. Qu'est-ce qu'il se passe derrière mon dos? Du coup, je contacte ma fac, je leur envoie ce mail-là, ainsi que bah, mon désarroi, en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai investi beaucoup d'argent, de temps, j'ai démissionné de mon taf, j'ai besoin de réponses là. Actuellement, on a un mois du départ, il serait temps de faire son travail correctement et de me donner des nouvelles et arrêter d'être dans le silence radio total. Je sais pas, on était à un mois du départ, j'avais réservé mon logement, mes billets, j'avais démissionné de mon CDI de 7 ans quand même, c'est pas rien pour partir en Erasmus parce que mon congé sans solde était refusé. J'avais déjà entamé les démarches de vétérinaire pour Prince, pour faire son passeport, tout ça, ça a un coût vraiment financier énorme. Et elle m'envoie un message en me disant qu'elle était en lien avec, avec Athènes, etc. Et puis bah, depuis ce message-là, depuis ce mail, je n'ai eu aucune nouvelle. Silence radio pendant 2-3 jours. Donc moi, inquiète comme jamais, bah je perds espoir en fait. Je me dis, de toute façon, ça arrive toujours qu'à moi, ce genre de choses. C'est toujours une merde sans nom. Donc je perdais espoir de plus en plus. Donc j'ai envoyé des mails, mais il n'y avait pas de réponse, comme d'habitude. Et j'ai relancé en donnant mon numéro de téléphone à la directrice pour qu'elle puisse m'appeler. Chose qui a été faite, je vous laisse un tout petit extrait de ce qui a été dit. Et comment ça se fait que ça n'a pas... Je comprends pas pourquoi ça n'a pas accepté. Il y a eu un couac, qu'est-ce qui s'est passé, enfin... C'est ça, il y a un malentendu sur nos accords.
Et du coup, à cause de ce malentendu, moi, ça me fout dans la merde très clairement. Je me retrouvais alors sans taf, sans argent et une santé mentale au plus bas. Je venais de tout perdre, du temps, de l'argent et du stress pour rien. J'ai pleuré toute la soirée, mon billet d'avion n'était pas remboursable, mon Airbnb était à moitié remboursable, donc je perdais énormément d'argent. Prince, son passeport, 85 €. Enfin, il y avait tellement de sous que j'ai investis et pour une étudiante, c'est vraiment des années d'épargne et... J'étais dépitée. Je comprenais pas comment on peut laisser un dossier sans suivi depuis octobre, alors que je les ai relancés depuis novembre. Je ne comprends pas ce manque de professionnalisme et ce manque de suivi de la part de la direction de l'Erasmus de Paris 1. J'étais choquée de ça. Et malheureusement, la directrice, elle savait pas quoi me dire parce qu'elle savait très bien que c'était son erreur. C'est elle qui gère ça, c'est elle qui gère ses collègues, ses collaborateurs, et elle savait très bien qu'elle a fait une grosse connerie. Et je lui ai même dit, ne refaites pas la même erreur avec d'autres étudiants. Ça va, là c'est moi. Moi j'arrive à me relever, mais il y a certaines personnes, une gamine de 18 ans qui est dans le même cas que moi, qui a un loyer à payer, qui a un job étudiant à côté, qui n'a pas forcément des parents pour les aider ou qui n'a plus de parents, et a une santé mentale très, voilà. Je peux vous dire que ça peut faire des dégâts. Donc j'étais là en mode, il faut que je trouve avec les assurances que je peux faire. Malheureusement, mes assurances ne me remboursaient rien. J'avais appelé Transavia, j'ai appelé ma banque, j'ai appelé tout le monde, tout ce que j'ai pu appeler pour les assurances, carte bancaire, tout. Personne ne me remboursait mes dues. Donc j'étais en mode... Bon, bah voilà. Comme je ne partais plus en Erasmus, il fallait bien que je m'inscrive dans mes cours, parce que oui, en France, il fallait que je m'inscrive dans mes TD, mes trucs de sport, donc il a fallu que je m'organise en très peu de temps, parce que le lundi suivant, je reprenais les cours, donc c'était 3 jours après. Il a fallu annuler la réservation de Airbnb, de mon logement, donc je perdais mes 30 premières nuits, donc ça faisait 856 €, ce qui était énorme. Transavia m'a dit que c'était impossible de rembourser sauf si on a le Covid, donc dans ma tête j'étais en mode ok, ça va être boîte de nuit à gogo la veille du départ et galocher toute la boîte de nuit pour avoir le Covid. Non mais vraiment, c'était n'importe quoi. Et ce qui m'énerve, c'est que voilà, la fac oublie ce genre de choses. Puis même en général, hein, peu importe votre taf en fait, si vous ne faites pas votre taf correctement, si vous faites des erreurs, ça arrive des erreurs. Bien évidemment, ça arrive. C'est censé être leur travail de faire les choses au mieux pour les étudiants. On n'est pas 45 millions à partir en Erasmus non plus. Il faut avoir un suivi derrière ces étudiants. Il y a quand même des étudiants qui partent à 18-19 ans, enfin, il faut les accompagner. Ils sont peut-être seuls comme moi. Il faut avoir une bonne gestion, c'est quand même... énorme de mettre un étudiant dans une autre fac, dans un autre pays. Les parents sont en stress, l'étudiant est en stress. Si la fac ne gère pas tout ça, ne fait pas correctement son travail sur ce suivi, sur ce dossier-là, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ça, la fac l'oublie beaucoup, et puis même dans votre job en général, enfin, faut voir que votre job a un impact vraiment sur autrui. Ça, faut vraiment pas l'oublier, vous pouvez impacter la vie d'autrui très facilement. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, il y a eu un revirement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour qu'il y ait un revirement de situation en l'espace de 24 heures? Je sais pas, si j'avais su, j'aurais attendu ce matin plus. Donc, mais on a insisté. Finalement, elle a contacté sa coordinatrice qui a accepté de prendre un étudiant supplémentaire. J'ai été finalement acceptée à Athènes, que dans le département de l'économie et du business. De base, j'aurais dû être dans un MBA. Bon, là, je passe en économie. Ça dénature un peu le diplôme que je voulais avoir, parce qu'un MBA, c'est extrêmement reconnu. C'est ça que je voulais. Écoutez, on m'a dit que je partais à Athènes, que j'allais faire du business et de l'économie, mais que je pouvais choisir les matières que je voulais. Donc, j'ai choisi les matières d'un MBA. Donc, on a eu un call avec la directrice du master, et elle m'a expliqué pourquoi il y a eu ce revirement de situation. Et j'étais vraiment très énervée de ce manque de professionnalisme. J'ai alors reçu ces fameux mails où il fallait envoyer donc nos dossiers, et ça date du 30 novembre. Donc ça veut dire que moi, pendant que j'envoyais mes mails à la fac, en fait il y a eu un énorme couac. De base, mon dossier aurait dû être accepté depuis le 30 novembre grand max. Donc ça dure quand même depuis plusieurs mois, c'est quand même assez aberrant. J'ai envoyé les papiers pour le mail du 30 novembre, et il y avait un autre mail, donc c'était valable jusqu'au lendemain. Donc en une journée, il a fallu que j'envoie tous mes papiers. Heureusement que je suis hyper organisée, que j'avais tout sur mon iPad, donc j'ai pu envoyer tout ça rapidement. Il a fallu faire signer un contrat pédagogique en 24 heures à une responsable, il a fallu que je la contacte, etc. C'était vraiment un bourbier. Tout s'est bien dégoupillé, j'ai pu tout envoyer. Et puis la directrice du pôle économique était vraiment super sympa à Athènes. Vraiment, elle était très gentille avec moi. Donc ça m'a fait vraiment du bien d'avoir un peu de bienveillance et de gentillesse dans une administration. Elle répondait toujours à mes mails, etc. Franchement, adorable. Puis il a fallu que je m'occupe du logement Airbnb, parce que la veille, j'avais annulé ce logement-là.
Donc comme je partais à Athènes, il fallait que je renouvelle la réservation, ce qui a été un bourbier sans nom, ça vous le verrez plus tard dans les vidéos. Normalement vous voyez cette vidéo le 16 février et bah je suis arrivée à Athènes aujourd'hui. J'ai eu énormément de stress, beaucoup de problèmes, de toute façon vous l'avez vu, que ce soit les problèmes avec ma sécurité sociale, ma paye, etc. Enfin tout ça, et ça je voulais vraiment cacher ce problème avec l'Erasmus, mais ça m'a vraiment bouffé la vie pendant plus de 2 mois, ce stress, ces assurances, ces logements, tout ça, ça m'a vraiment... Et la fac, surtout la fac, enfin, pas de réponse, être dans un flou, et je trouve ça vraiment pas normal, et ce genre de choses ne doit jamais se reproduire. Je sais que ma santé mentale était vraiment au plus bas, j'étais vraiment pas bien, et ça m'a vraiment mis un gros coup, et si j'étais pas entourée de mes amis et de ma famille, et de mon chat. Ouais, ça aurait été compliqué quand même. Je vous avoue, ça aurait été vraiment compliqué parce que je n'en pouvais plus. Il y avait aussi ma santé physique, autre que mentale, hein, la santé physique. J'avais beaucoup d'infections, d'inflammations poumons, du rein, etc. Enfin bon, voilà, c'était assez compliqué et je stressais de ne pas pouvoir partir en Erasmus du fait de ma santé. Donc vraiment, j'ai tout fait pour aller mieux. Je pense que vous l'avez suivi sur Instagram, j'allais chez le médecin toutes les 2 semaines, j'en pouvais plus, des analyses de sang à gogo, c'était vraiment interminable et je stressais par rapport au 16 février parce que je me suis dit, il faut que je sois bien, il faut que je sois en bonne santé pour y aller. À l'heure actuelle où je vous parle, je suis en bonne santé, même si j'ai encore une petite infection au rein, mais ça va passer rapidement, mais je suis en bonne santé. J'ai réussi en l'espace de 3 mois à dire nique ta mère en fait à toutes les maladies que j'ai eues. Donc c'était vraiment un stress en plus. Voilà, toute cette période était vraiment stressante, d'où mon arrêt de travail, je ne pouvais plus travailler, je n'y arrivais plus, c'était plus possible, et d'où aussi ma démission. Maintenant vous comprenez un petit peu mieux les vlogs précédents, ma démission à Truffaut pour pouvoir partir, le fait que je réorganise un petit peu tout dans l'appartement, que je fasse des ventes Vinted, que j'essaye de bouffer tout ce qu'il y a dans mon frigo, que j'appelle toutes les assurances, et je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vlogs, je n'allais pas à la fac, parce qu'en fait, je ne vais pas à la fac ce semestre-là, je vais à la fac à Athènes, et ça, personne n'a remarqué dans les weekly, pourtant j'en ai fait 2. Normalement vous aurez dû capter, mais visiblement non, j'ai bien joué mon truc. Donc là, la suite des vidéos, je vais vous montrer la préparation de tout cet Erasmus là, de tout ce qui s'est passé. Donc là je vous ai fait vraiment un gros résumé, et donc demain à 18h vous allez avoir une vidéo qui montre en fait toute cette période de refus et de stress. Donc c'est vraiment pas une vidéo joyeuse entre guillemets, parce que je suis... Enfin, ça se voit sur mon visage, je suis très stressée. Mais je voulais vraiment pas cacher ça parce que c'est très important que les gens puissent voir l'impact que ça a sur autrui de mal faire son travail. Je vise pas que l'administration de Paris 1, parce qu'il n'y a pas que l'administration de Paris 1 qui ne sait pas faire leur travail. Je veux vraiment que vous, dans votre travail, vous puissiez voir que votre qualité de travail impacte énormément, tous les jobs impactent la vie d'autrui. Et c'est vraiment important de véhiculer ce message parce que ça impacte énormément la santé mentale. Donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi de vous montrer ça. Donc demain, vous verrez ce fameux refus, cette fameuse conversation téléphonique avec l'administration. Le fait aussi qu'avec la directrice, on essaye de recoller les morceaux, etc., qu'elle m'aide. En soi, la directrice, elle a fait une erreur, certes, mais enfin, c'est pas une mauvaise personne pour autant. Voilà, je lui en ai beaucoup voulu, mais c'est pas une mauvaise personne pour autant. Je sentais qu'elle était tellement désolée pour moi, elle savait plus quoi dire. Donc c'est pour ça que, enfin, je jette pas la pierre entre guillemets, mais je veux juste que ça ne se reproduise plus jamais, ce genre de choses. Donc je ferai une vidéo quasiment tous les jours, je crois à 18h, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Donc il y aura plusieurs vidéos donc, sur le refus, puis ensuite sur l'emploi du temps et l'organisation à la fac. Après il y aura tout ce qui est valise, etc. Et la préparation, l'arrivée à Athènes, l'appartement tour à Athènes, les galères d'appartement aussi, il faut que je vous raconte parce que c'est n'importe quoi. Et puis bah, j'espère que ce nouveau départ avec moi va vous plaire. Bien évidemment, je me casse avec mon chat à mon cœur. Bah oui mon amour, j'allais pas te laisser tout seul ici, hein? Mon cœur. Faut bien que je te fasse un peu chier quand même. Donc oui, je pars avec Prince, je garde mon appartement aussi. Voilà, je pars que 4 mois et demi. Je ferai une petite FAQ sur Instagram, je pense là. Donc n'hésitez pas à aller voir ma story Instagram avec la petite rubrique FAQ. Comme ça, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai dans une vidéo. Mais voilà, Prince part avec moi. N'hésitez pas à regarder le réel que j'ai fait sur Instagram. C'est un réel qui résume bien l'Erasmus. J'ai plus rien d'autre à dire, donc je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog Erasmus. Bye bye!